Voilà. Donc, bonjour à toutes et à tous. Pour les personnes qui sont à distance, on va recommencer et on réunit les trois interventions de l'après-midi en un seul panel. J'ai le plaisir de présenter Marine Pacro, qui est maîtresse de conférence. Alors, tu dis s'il y a des updates par rapport à ce que j'ai là. Qui est maîtresse de conférence au sein du département d'anglais de l'Université de Bourgogne et membre du laboratoire du Centre Interlangue, texte, image, langage. Elle a soutenu une thèse intitulée « Le réalisme social américain à l'ère postmoderne, Continental Drift, de Russell Banks, Cathedral, de Raymond Carver, The Sports Writer, de Richard Ford, en 2015. Sa recherche actuelle porte sur la littérature nord-américaine des 20e et 21e siècles, et plus précisément sur les concepts de marge et de frontières géographiques, sociales et divers. Pile dans le thème, retombant. Et donc, c'est la seule communication en anglais de l'après-midi, et qui s'intitule, bah, vous l'avez là, Displacing Slavery, Physical and Literary Journeys in the Underground Railroads by Colson Whitehead. The floor is yours. C'est parti. In the Underground Railroad, Colson Whitehead tells the story of Cora, a teenage slave who is persuaded by a fellow slave, Caesar, to run away from their plantation in Georgia by using the Underground Railroad, the famous system meant to take fugitives to freedom in the North. The book starts like a rather traditional slavery novel with a detailed description of the slaves' dire living conditions on the rental plantation. But it soon departs from a historically accurate account of the peculiar institution when the Underground Railroad turns out to be an actual subterranean network of trains and stations spread across several American states. The reader then follows Cora on her long and perilous journey from platform to platform and from state to state towards a hypothetical freedom. As Schultz remarks, I quote, although such heroes make their journeys under duress, fugitive slave stories are also a form of travel narrative. And while in real life fugitives run in every imaginable direction and were often caught or forced to turn back or died en route, in our stories, the direction of travel is more nearly uniform. On the Underground Railroad, geography is plot. In the novel's episodic plot, the literalization of the metaphorical railroad is used as an opportunity to describe the mistreatment of Black people in the different states that Cora crosses as her emancipation keeps being delayed. She quickly finds, I quote, that each stop on the railroad offers not freedom, but a different kind of subjection, or as Whitehead himself puts it, different forms of racial hysteria. Cora's epic ride on the Underground Railroad thus informs the basic structure of the novel. But as we shall see, Whitehead keeps thwarting any expectations of linearity, which would be artificial, by providing the novel with crossroads and sidetracks. Through the runaway's physical journey, he stages a literary and historical reflection on the chaotic progress of the Black community in American society. Following the dynamics of Cora's narrative of displacements, my analysis will first focus on the aspiring fugitive's hesitation between a numbing stagnation on the plantation and a reckless escape. Then I'll study how her long-awaited freedom keeps eluding her and forces her to wander in a maze of racial oppression. And finally, I will analyze Whitehead's disruptive treatment of what is conventionally the ultimate goal and final destination of slave narratives, the North. Displacement is a fundamental aspect of slavery, as Whitehead reminds us in the first lines of his novel, dedicated to the Middle Passage. So the Middle Passage took Cora's grandmother, Ajari, from Benin to America. The description of the horrors of the voyage is followed by a long enumeration of the multiple times Ajari was sold until she was taken to the Randall Plantation. I quote, finally, Georgia. A representative of the Randall Plantation bought her for $292, in spite of the new blackness behind her eyes, which made her look simple-minded. She never drew a breath off Randall land for the rest of her life. She was home on this island in sight of nothing.
After the violence of her forced migration, which is reflected in her wrecked mental state, Corey's grandmother appears resigned enough to equate the lack of perspective of her life on the plantation with a newfound sense of belonging. The legacy of her suffering seems to explain why her granddaughter first refuses to escape. I quote, it's the very first line of the novel. The first time Caesar approached Cora about running north, she said no. This was her grandmother talking. Even after leaving the plantation behind, Cora remains haunted by the Middle Passage, which she did not even experience firsthand. I quote, in the night she had dreamed she was at sea and chained below decks. Next to her was another captive and another, hundreds of them crying in terror, etc. Cora's nightmare illustrates how the trauma of that original uprooting has been ingrained in the collective memory of Africans and their descendants. Moreover, Cora is well aware of the cruel punishments awaiting runaway slaves who get caught, notably because she witnessed the particularly vicious torture of a slave named Big Anthony after his attempted escape. Such display of violence is obviously meant to elicit fear in other slaves and to crush any hope of rebellion. Similarly, the real fugitive bulletins, which Whitehead reproduces in the novel, that is to say, adverse offering rewards for the capture of runaways, act as concrete illustrations of the systemic oppression that slaves had to face in American society. I quote, the novel's paratextual infrastructure undermines the sentimental slavery to freedom progression central to many 19th century slave narratives and abolitionist fictions. It is impossible to flee slavery, the ads emphasize, because no geographical location is untouched by the reach of anti-blackness. So by placing Cora's individual experience in a larger historical context, by showing that her case was not isolated, the ads ominously point to the inescapability of slavery, which was, after all, institutional. Unsurprisingly, therefore, Cora originally tries to find solace in a form of stasis. As Mass remarks, I quote, she unconsciously mimics her grandmother's coping mechanisms, mainly by striving to protect the tiny garden that she inherited from her. However, Cora comes to realize that, I quote, this plot to represent stagnation masquerading as progress. And so the final quotation is an excerpt from the novel. Cora thought of her garden back on Randall, a tiny square of dirt that I convinced her she owned something. Her plot was a shadow of something that lived elsewhere out of sight. So here the use of the indefinite forms and the metaphor of the shadow, both connoting elusiveness, indicates that she only ever had access to a simulacrum of ownership while on the plantation. So it is only when she lets go of the plot that she can hope to be free. Contrary to her grandmother, whose trajectory was entirely dominated by coercion, Cora does choose to leave, thus following in the footsteps of her mother, Mabel, several years prior. When Cora was about 10, Mabel became a legend of the Randall plantation as the only slave who managed to escape for good. Although Cora is angry at her mother for abandoning her, Mabel is, as Martin Salvin puts it, the psychological trigger that she needs to summon the courage to follow the Underground Railroad. Yet the novel's penultimate chapter, which is entitled Mabel, offers an ironic perspective on the whole narrative because it reveals, spoiler alert, by means of an ellipsis that Mabel actually died in the swamp near the plantation on her way back to her daughter after only a few moments of liberty. Her tragic fate, I quote, devastatingly reverses the traditional slave narrative's forward momentum towards freedom and self-fashioning, but only for the reader. For Cora,
Mabel's success story remains uncontradicted, which proves that, I quote, her story's value lies not in its factual truth, but rather in the impetus to escape that it offers Cora at an important juncture. So Cora and Caesar's first steps outside the plantation take them to the swamp where, unbeknownst to them, Mabel died. The swamp is a liminal space between bondage and freedom, as underlined in the quotes by the image of the chains, as a transitional area between the plantation and the free world. The swamp can represent both a space of erasure, its stagnant water metaphorically obliterating any potential movement of emancipation, or it can be seen as a reversal of the middle passage, allowing slaves to be born again as free individuals on the other side. The swamp also marks a transition between the classic motifs of the traditional slave narrative, which are developed in the passages taking place on the plantation, and the speculative fantasy of Cora's journey on the literalized railroad in the next chapters. The now unchained narrative, free from the constraints of strict historical accuracy, embraces a structure recalling Gulliver's Travels or The Odyssey, two intertextual references that Whitehead himself acknowledges. I quote Whitehead, "Once I thought about making each state its own place with its own set of rules, the first analogy for me was Gulliver's Travels. I think it's a good structure, it's episodic, much like The Odyssey and Pilgrim's Progress." The parallel between the fugitive's progress and Gulliver's trouble is made explicit when Caesar reads Swift's novel. I quote, "The white man in the boat, Gulliver, rode from peril to peril, each new island a new predicament to solve before he could return home." Caesar's summary of the plot recalls the first station agent's remark at the beginning of the runaway's journey. He says, "Every state is different. Each one a state of possibility with its own customs and way of doing things." Actually, Cora is constantly confronted with states of impossibility where freedom is perpetually deferred. In fact, ironically, the only freedom trail that she comes across in North Carolina is a road lined with trees bearing strange fruit. I quote, "The corpses hung from trees as rotting ornaments." They call this the Freedom Trail. Now the bodies go all the way to town. Cora's wandering from pseudo-progressive South Carolina, where, next spoiler, Caesar is lynched, to genocidal North Carolina, then to post-apocalyptic Tennessee, and finally Indiana, is made up of a series of trials leading her to uncover new horrific ways of dealing with the racial question in the U.S., and preventing her from calling any place her own. Turning Cora's journey into a time travel, Whitehead conflates several historical periods to highlight, I quote, "the recurrence of Black exploitation in American history." So his narrative, which is supposed to take place in antebellum America, refers to the American eugenics movement when Cora finds out about South Carolina's policy of forced sterilization. The novel also alludes to the infamous Tuskegee experiments, which aims at studying the effects of untreated syphilis on Black men. The novel also refers to the KKK and to Nazi stormtroopers through the description of the Night Riders spreading terror in fascist North Carolina. Thanks to its intermingling of anachronisms and fantasy, Dissinger explains, I quote, "the novel asks its readers to confront racialized horrors, past and present, by not sticking to the fact," that's what Whitehead said in an interview, "the novel presents an a historical but still faithful admixture of different forms of racial hysteria that clarify rather than obscure histories of racism and imperial violence in the US." So by going back and forth in time, Whitehead encourages the reader to make connections between slavery and more recent political events,
notably given the time of publication of the novel, The Black Lives Matter Movement. The persistence of Black oppression in American society is also embodied by Ridgway, who is the relentless slave catcher who never got over his inability to recover Mabel. So Ridgway has transferred his Javert-like or Ahab-like obsession for Mabel to Cora, the daughter, whom he pursues relentlessly throughout the novel. The slave catcher's companion is a Black boy named Homer. He carefully records his master's feats and white supremacist discourses, the intertextual reference to the author of the Odyssey, enabling Whitehead to both stage and question the dominance of ethnocentric discourses over Western culture in general and the American psyche in particular. I quote Whitehead, "I actually didn't research the slave catcher's point of view. I think the slave catcher's point of view is probably the default setting on American history." Cora's physical journey is associated with an intellectual one based on her progressive access to literacy and critical thought, which enables her to come up with a counter narrative denouncing the contradictions of some of the United States' founding texts, more particularly the Bible and the Declaration of Independence. Quote, "The whites came to this land for a fresh start and to escape the tyranny of their masters, but the ideals they held up for themselves, they denied others." Cora had heard Michael recite the Declaration of Independence back in the rental plantation many times. She didn't understand the words, but created equal was not lost on her. The white man who wrote it didn't understand it either, if all men did not truly mean all men. Cora openly criticizes the founding fathers' unwillingness to acknowledge the universal scope of the fundamental rights that they pretended to defend. In the same way, in North Carolina, she challenges her host's justification of the biblical curse of the sons of Ham. I quote, "Slavery is a sin when whites were put to the yoke, but not the African. All men are created equal unless we decide you are not a man." Understanding and denouncing the hypocrisy of a national storytelling based on exclusion rather than equality is an important milestone on Cora's road to emancipation. Her right north is therefore her way to assert a humanity that has always been denied to her. The final destination of the Underground Railroad remains blurry throughout the novel, which serves two purposes. First, it underlines the fact that the secrecy surrounding the system is necessary to protect its precarious existence. Then, the uncertainty of the runaway's trajectory reflects their rather vague expectations regarding their new location, which, in fact, is simply defined as, I quote, "any place but where they had escaped." The vagueness of any place and the vagueness of the chapter title, The North, as compared to the specific state names in the previous chapters, emphasizes the notion that the North is an idea or an ideal rather than a precise location. In fact, it is quite literally utopia, a no place, with the same mythical aura as the unreal city of Pennsylvania, which Cora's grandmother dreamt of. The main characteristic of the North is that it appears perpetually out of reach, and so it mirrors the Black community's delayed access to freedom. On the first leg of her journey, Cora is given a piece of advice. I quote, "Look outside as you speed through, and you'll find the true face of America." Cora soon understands the underlying irony of that assertion. Quote, "Following Lumley's final instructions, Cora looked through the slats. There was only darkness mile after mile." So, of course, the train being underground, it is literally impossible to see anything. But the omnipresence of darkness in Cora's life above ground suggests that her personal pursuit of happiness is futile, since the landscape is entirely dominated by a history of violence. Even Indiana's quiet agrarian life ends in bloodshed, and so it casts doubts on the safety that the North will be able to provide.
in Indiana, Cora's companion Royal shows her a ghost station that was abandoned before it was even in service. Just before he dies, he encourages her to find out the final destination of its tunnel. In fact, the reader comes to understand that the ghost tunnel, which has not come into existence yet, depends on what she will make of it. For the first time, she is entirely alone, and she must stop looking backwards and follow her own path, I quote, into the tunnel that no one had made, that led nowhere. So again, like her mother, or so she believes, she escapes through the swamps of Randall. Like Douglas, she seeks uplift and reinvention through education. Like Jacobs, she spends an extended period hiding in an attic. But her last trip on the Underground Railroad, that most famous of these established paths to freedom, requires her to depart from any semblance of a fixed road. Cora's story of emancipation is also a liberation from past influences, and she is driven by a momentum which is no longer disorganized escape from, but a determined movement towards something. As her own slave bulletin claims, she has stopped running. By using a hand car, I quote, she discovers a rhythm, throwing all of herself into movement, into northness. Whitehead's addition to the suffix ness makes the concept even more elusive. I quote, northness in the novel is not a fixed destination, but rather a tunnel that comes to exist only as someone travels through it. So it appears as a process more than a geographical location, or maybe as a material through which Cora can carve her own story. Hence her sudden doubt, I quote, was she traveling through the tunnel or digging it? Cora turns into a pioneer, exploring uncharted territories and actualizing the discourse of the abolitionist that she met in Indiana by creating, I quote, something new in the history of the world without models for what we, so African Americans, will become. The story's open-ending thwarts the expectations of any reader familiar with traditional slave narratives by offering Cora an ultimate detour. When she emerges from the tunnel, she meets people telling her that they are not going north, but west. Quote, a place imbued with its own mythologies of possibility. As Cora is welcomed by another former slave, the novel seems to end on the importance of rebuilding a sense of community. For them now, the point is not to reach an imaginary north, but maybe to go off the tracks altogether towards a common future in which they can have the certainty that their lives matter. The whole plot of the Underground Railroad, which is Whitehead's alternative version of the slave narrative, is determined by geographical displacement. Cora's epic journey from south to north, or theoretically at least from bondage to freedom, is made up of full starts and abrupt stops, and its episodic structure exemplifies the various forms that racial oppression can take in American society. Her wandering from state to state along the chaotic path of the literalized railroad is punctuated with historical, but sometimes anachronistic references, which enable Whitehead to offer a condensed version of the painful history of African Americans in the US. Though Cora's slave bulletin states that, I quote, she was never property, her future remains uncertain. Contrary to the protagonist of most traditional slave narratives, she is still in transit when the novel ends. Still, her final travel through the ghost tunnel and then towards a promised land in the West is no longer a flight, but an opportunity for self-determination. Cora's physical journey is best associated with an intellectual emancipation, which encourages her to challenge the ethnocentric narratives that have been imposed upon her and to disrupt, I quote, the white epic of pioneers moving westwards by creating her own epic of resistance
through the reconstitution of an African-American sense of community. Thank you. Est-ce que tu veux, merci, mais est-ce que tu veux prendre des questions maintenant, au cas où tu vas les prendre ton train après, enfin, qu'est-ce qu'il y a mieux pour toi? Comme tu veux, je ne sais pas. J'ai le temps, je ne sais pas. Oui. On enchaîne tout et on dit qu'on s'arrête à... Votre train est à 16h50? Moi, 16h30. 16h, voilà, 16h max, ok. Et bien, on enchaîne alors. Ok, marche. Et donc du coup, je présente, enfin j'enchaîne en présentant, alors tu me corriges, n'hésite pas, Roxana Sicoët-Tiréa-Bauduin, c'est ça, qui est donc actuellement, tu me dis à Paris 12, c'est ça je suis à Paris 12 à partir de l'année prochaine. Voilà, qui donc sera donc à partir de Paris 12 à partir de septembre, actuellement ATR, attachée temporaire de recherche à l'Université de Versailles, titulaire d'un doctorat en littérature comparée, obtenu à la Sorbonne Nouvelle sous la direction de M. Daniel-Henri Pajot. Pardon. Elle est auteure de l'étude, et je cite son titre, « Du pouvoir dictatorial au mal moral, une lecture du roman africain depuis 1968, paru chez L'Harmattan en 2013. » De l'étude monographique, « Exercice de liberté », publié en 2014, de plusieurs recueils de poèmes en langue roumaine, traductrice, initiatrice de nombreux projets culturels, directrice de collection Francophonie, Douana Raphaël de Surtis. Elle est inscrite en thèse en études anglophones et travaille sur, c'est sa thèse, la poétique du déplacement dans la littérature nigériane contemporaine sous la direction de Vanessa Guinery à l'ENS de Lyon. Aujourd'hui, donc, elle va nous parler de voix en mouvement, déplacement sémantique et syntaxique dans Freshwater d'Akweke. Akweke Emezi. Oui, alors Akweke Emezi est une écrivaine d'origine nigériane. En fait, son père vient du Nigeria, sa maman elle est d'origine malaisienne. Mais il faut savoir qu'en fait, elle privilégie dans tous ses récits l'héritage nigérien. Parce qu'elle a vécu pendant longtemps au Nigeria, elle a déménagé ensuite aux États-Unis pour ses études et elle s'est installée de façon apparemment définitive aux États-Unis avec des voyages un peu partout dans le monde. Une chose intéressante sur Emezi, c'est qu'elle se revendique comme non-binaire et dans une récente autofiction qui est très intéressante, elle se revendique également comme étant une obanje, c'est-à-dire une sorte de déesse de la culture Igbo, ou tout au moins comme étant habitée par des déités de la culture Igbo. Et je peux vous dire qu'elle est très convaincante dans ce qu'elle écrit. Pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Parce que cela aura un lien, en fait, avec ma présentation d'aujourd'hui qui porte sur son premier roman, un roman qui est issu d'un atelier de création littéraire qui a été mené, apparemment très bien mené, par une écrivaine toujours d'origine nigériane qui est très, très connue. Il s'agit de Chimamanda Ngozi Adichie. Vous avez peut-être lu son livre Americana. Alors, Emezi sort de son atelier avec ce premier roman en 2018, Freshwater, un roman tout à fait surprenant. Et par la suite, juste pour l'anecdote, croustillante, elle va rentrer en conflit avec Chimamanda Ngozi Adichie, à laquelle elle remercie dans un premier temps. Parce qu'apparemment, Chimamanda aurait dit qu'il y a quand même un genre biologique. Donc, Emezi n'est pas d'accord et il y a une polémique qui a pris assez d'ampleur. Bon, ce roman Freshwater, il a été traduit en français sous le titre d'eau douce. C'est un récit de formation avec des accents d'autofiction très, très importants décrivant l'existence d'Ada, jeune fille née à Londres, d'une mère d'origine malaisienne,
sans surprise, est d'un père d'origine nigériane. Alors, quelques mots sur Ada. Dès le départ, en fait, elle est présentée comme, elle est introduite comme figure dès la période intra-utérine, quand elle est déjà habitée par des déités qui vont se manifester à tour de rôle et qui vont prendre la parole à sa place. Ce qui est intéressant, c'est que tout le roman est construit sur des voix, en fait, qui changent. Et à chaque fois, il y a une divinité qui parle. Et elle, la protagoniste, devient The Ada. L'Ada. Donc, c'est une démarche qui est assez, assez inédite. Il faut savoir que dans la culture Igbo, au moment de la naissance, les portes vers le monde des esprits se ferment. Mais, dans certains cas, et tel est le cas de la protagoniste, et tel est le cas de Maisie, selon ce qu'elle dit au monde entier, elle reste entrouverte. Plusieurs esprits envahissent son corps et en font leur marionnette tout en essayant de l'amadouer dans leur monde. Le monde de l'au-delà qui implique la mort physique. En fait. Et tout le cheminement d'Ada, depuis son enfance jusqu'à l'âge adulte, quand elle arrive enfin à concilier ses voix qui l'habitent, et porte en fait sur ce conflit des voix qui l'appellent, des voix qui et des déités qui souhaitent rentrer à la maison, qui une maison qui n'est pas de ce monde. Voilà, chaque chapitre porte le nom de l'un de ces esprits qui raconte cette vie, l'existence de celle qui l'habite et qui la domine. En ce moment. Donc, les voies narratives se multiplient dans un itinéraire géographique allant de Londres au Nigeria, parce que toute la famille va déménager au Nigeria. La mère, à un moment donné, va quitter ses enfants, son mari, elle va lui renvoyer de l'argent, elle va travailler comme assistante médicale dans le Moyen-Orient. Ensuite, aux États-Unis, où Ada devient étudiante, et enfin en Afrique du Sud, où elle effectue un voyage. Cet itinéraire se double d'un cheminement spirituel animé par des métamorphoses successives au niveau biologique, culturel, social et psychique et physique, j'aimerais dire. Parce qu'à un moment donné, tout comme elle l'a dit, Ada va subir une opération où elle apporte certaines modifications à son corps, mais il a fait aussi, elle a rendu compte de toute cette expérience en plusieurs articles et aussi dans ses récits. Dans une chronique qui est parue en 2018, dans une chronique du livre, Spencer Duke, qui est un journaliste culturel, mentionne la possibilité de lire donc ce récit comme une confession intime du cheminement de son autrice, comme un livre sur la fluidité du genre en lien avec des pratiques religieuses, et enfin, comme un récit diasporique. Toutes ces pistes de lecture coexistent en une tension maintenue à travers l'alternance permanente des voies narratives et des angles de focalisation, ainsi que par les transformations successives au niveau des tonalités et du langage. Cette fluidité est représentée dès le titre par l'introduction de l'élément aquatique fresh water, eau douce, source de vie. La question que nous nous posons pour cette analyse est la suivante. Comment le déplacement permanent qui anime le texte est-il rendu au niveau linguistique? Une possible réponse serait qu'en ce qui concerne la langue employée, le mouvement est illustré d'un côté par le déplacement sémantique à travers la nomination en tant que processus dynamique et par le déplacement syntaxique qui est illustré surtout à travers l'hypallage. En ce qui concerne le déplacement sémantique, nous ferons donc référence à cette nomination. Il faut savoir que le linguiste Paul Ciblot différencie la nomination de la dénomination, chose qui est un peu difficile à faire en anglais, en expliquant, je cite, « La dénomination relève d'une approche statique établie au plan de la langue, alors que la nomination désigne un acte de parole contextualisé saisi dans la dynamique de l'actualisation. » Fin de la citation. En d'autres mots,
L'objet nommé se déplace dans la sphère de l'intime. C'est un processus de familiarisation, mais aussi de sélection de signifiants pour exprimer et s'approprier un monde autrement désarticulé. C'est ainsi que l'inquiétude permanente qui définit l'enfant Ada commence à se dissiper au moment où elle arrive à mettre des mots sur ses angoisses qui ne font que masquer les divinités qu'elle abrite. La nomination apparaît comme une appropriation progressive qui part d'un passage de l'abstrait vers le concret, se décline dans des oppositions binaires pour enfin retrouver une unité originelle. Au départ, ces divinités apparaissent comme des enfants des dieux dans l'accumulation hatchlings, goblins, orange. Un premier mouvement est à observer. Il s'agit d'un déplacement de l'abstrait vers le concret, du général vers le particulier, de l'anglais vers l'igbo, une tentative claire de décolonisation, à travers justement cette nomination. La nomination débute dans l'enfance d'Ada, quand elle apprend à lire et à écrire, et qu'elle calligraphie les premiers noms dans son journal intime. Ceci coïncide avec l'individuation progressive du parcours de la protagoniste. Deux entités se détachent des autres dans un premier temps. Je cite, a smoke and shadow. Je cite, the first of us, smoke, was a complicated gray, swirled layers in depth, barely held together in a vaguely human shape. The second of us, shadow, was a deep black, pressed malevolently against a wall. Hints of other colors, mother color eyes, yellowed teeth, that never made it past the fullness of the night. Fin de la citation. L'antonomasse permet un détachement des éléments de l'environnement lointain et les met en correspondance avec des réalités qui dépassent la capacité d'analyse de la protagoniste. La fumée, transformée en nom propre, est ce que Bachelard identifie en faisant référence à un auteur du XVIIe siècle comme, je cite, « l'excrément du feu ». Fin de la citation. Donc, Shadow deviendrait peut-être un excrément de la lumière. Alors que ce dernier, le feu, serait, je cite, « parmi tous les phénomènes, vraiment le seul qui puisse recevoir aussi nettement les deux valorisations contraires, le bien et le mal ». Fin de la citation. L'enfant Ada perçoit l'existence d'un feu à l'intérieur d'elle-même, mais elle ne sait que nommer sa conséquence, la fumée qu'il dégage. Cette fumée refroidit, elle se transforme en ombre collée au mur, monstre peuplant les cauchemars enfantins. Cette position suggère aussi le manque de substance, de consistance. L'accent se place sur l'idée d'évanescence de ces deux éléments qui ne sont que des points de départ dans le parcours de la protagoniste, dont le cheminement se poursuit à travers l'identification des voies opposées à l'intérieur d'elle-même. Dans un article intitulé « Pre-colonial Igbo Voices in Akawake Emezi's Fresh Water », paru en 2021, Eugenia Osana évoque la thématique du double, de la gemellarité, présente dans le binôme qui suit en fait « Smoke and Shadow », parce qu'il y a trois binômes en fait de divinités qui se succèdent. « Smoke and Shadow », ensuite « Ashugara », et Saint Vincent. Donc, ce deuxième binôme, il est formé par Ashugara et Saint Vincent. La narration s'arrête d'abord et pour longtemps à cette première divinité qui apparaît suite à une relation tumultueuse entre Ada et son petit ami de l'époque qui finit par la violer. Si Smoke and Shadow demeure silencieux jusqu'au dernier chapitre du roman, une fois nommé de façon précise, Ashugara prend la parole pour raconter. She named me this name, Ashugara, complete with that gritty slide of the throat halfway through. Fin de la citation. Comme Eugenia Osana l'indique, le nom signifie poignard en Igbo, préfigurant l'agressivité de ce personnage qui représente la sexualité débridée. Ashugara est transformé en arme contre un monde qu'Ada perçoit désormais comme hostile. Mais pour que cette arme devienne efficace, il faut la nommer. Le nom offre une existence propre. Je cite, « When you name something, it comes into existence. » Fin de la citation. Dans le cas d'Ada, la nomination semble correspondre à une quête permanente et il pourrait très bien s'agir
s'agir d'une quête religieuse ou identitaire. Si Shadow et Smoke se font remplacer par Ashugara, la force de cette dernière est destituée par la douceur de Saint Vincent, qui n'impose rien, mais qui influence de façon radicale le parcours du personnage dans ses choix sexuels. Je cite, « Ashugara could not be left alone. That would be unnatural. When something stands, something else stands beside it. So, on the day I was born in Virginia, there was another one born with her as she tore through that window. His name was Saint Vincent, because when he slaughtered off Ashugara's side, he fell with holiness on his hands. » Fin de la citation. L'origine du nom Saint Vincent demeure incertaine, car plusieurs saints et martyrs portent ce nom dans l'histoire du christianisme. Mais il faut savoir que c'est une instance qui est souvent invoquée dans les prières des marins, pour l'anecdote. Donc c'est très intéressant, c'est lui qui les guide. Dans les traditions igbo et chrétiennes, ce qui nous intéresse ici, coexistent et se complètent dans le récit. Et la manifestation la plus visible de ce micro-syncrétisme reste la nomination en tant que voie vers une unité retrouvée. Pourquoi est-ce que je dis une unité retrouvée? Parce que je fais référence au troisième binôme, Ishwa-Allah. Ishwa étant une prononciation infantine du nom de Jésus. Donc de Smoke, Shadow, en passant par Ashugara, Saint Vincent. Ada arrive à Ishwa, Jésus dans la religion chrétienne, Allah, divinité féminine Igbo, représentant la terre comme mère nourricière, dont le totem sur terre serait le python. Le dernier binôme réapparaît à la fin du récit et peut être ainsi lu comme une sorte d'arrivée pour ce parcours symbolique où Ada franchit les frontières et concilie l'idéal chrétien avec l'idéal Igbo. C'est en se rapprochant de ces deux divinités et en s'identifiant avec Allah à la fin, qu'Ada semble avoir fait la paix avec elle-même, en suivant le conseil final d'Allah, dont elle finit par entendre la voix. Je cite, « Curve in on yourself. You will form the inevitable circle, the beginning that is the end. This immortal space is who and where you are, shapeshifter. Everything is shedding and everything is resurrection. » Fin de la citation. Le prénom de la protagoniste reprend celui d'Allah à une lettre près, Ada, en acquérant ainsi une sonorité plus occidentale. La transformation de la consonne liquide, elle, en consonne occlusive, D, c'est-à-dire consonne produite par la fermeture de la bouche, s'inscrit dans la représentation d'Ada qui devient désormais une cage, récipient pour les divinités qui l'habitent et qui en prend conscience et l'accepte à la fin du récit. La nomination s'inscrit dans un rapport paradoxal, signifiant en même temps l'appropriation et le détachement des entités qui l'habitent, mais aussi la subordination et la domination réciproque. À travers les noms qu'elle donne, Ada accomplit une triple mission. Elle s'approprie le paradoxe de l'univers dans lequel elle évolue, arrive à dompter les voix qu'elle entend, la nomination serait ainsi un mécanisme d'adaptation, et enfin à échapper à la mort à laquelle elle était destinée dès sa naissance. Peu à peu, le monde habité gagne en cohérence, l'émiettement se transforme en fluidité, en mouvement permanent illustré à son tour par l'utilisation des figures de style comme l'hypallage. Désignée également en tant qu'épithète transférée, l'hypallage présuppose le déplacement d'un adjectif ou parfois d'une autre partie grammaticale, verbe substantif, ailleurs qu'à sa place habituelle, dans la phrase ou dans le discours. Il en résulte la production d'une construction où deux termes sont liés syntaxiquement, alors qu'on s'attendrait à voir l'un d'entre eux rattaché à un troisième. On peut alors parler d'une allotropie impliquant la décohésion sémantique ou la rupture des fonds sémantiques. Chez Aimé, l'hypallage apparaît à plusieurs reprises afin de signifier la rupture familiale, l'événement traumatique et enfin l'état de mouvement perpétuel.
Le plus souvent, l'hypallage signifie l'interruption de la cohésion habituelle et se fait in absentia, pouvant ainsi se confondre avec une personnification, comme dans les allotopies naturelles humaines qui parsèment le texte et marquent des tournants dans le récit, des instants traumatiques de rupture. C'est le cas pour le moment où le père d'Ada, Saul, est saisi par la peur quand il la trouve, alors qu'elle a 2 ans, dans la salle de bain en hurlant à côté d'un python. Je cite, « When he saw the Ada, his baby, with tears dripping down her face, blubbering in terror at the python, a winter fear clutched at his heart. » Fin de la citation. Le participe passé « winter » ne désigne pas la peur, mais le temps qui passe. Le fait que Saul, le père, vieillit à cause de l'émotion à la vue de ce tableau. Cet instant symbolise également sa sortie de la scène, précédant sa dernière réplique dans le récit. C'est bien Saul, le père, qui est rattrapé par l'hiver de sa propre impuissance, assistant passivement à l'éclatement de sa famille. À son tour, Sachi, la mère de la protagoniste, quitte le Nigeria au moment où la solitude, due à sa condition d'immigrante, lui devient insupportable malgré ses efforts de se trouver une place dans la communauté. Je cite, « Sachi had to turn to her friends, the women who had been born in other countries, and who, like her, had accompanied their husbands to this small, violent town. » Fin de la citation. Tout comme Winter, l'adjectif « violent » ne fait pas référence au nom qu'il précède, mais au climat familial, notamment à l'indifférence de Saul, attitude qui plonge Sachi dans une profonde dépression. La rupture familiale s'illustre un peu plus loin à travers la perception de l'enfant Ada qui voit sa mère rentrer à la maison 1 ou 2 fois par an. Le moment est évoqué par une image olfactive. Je cite, « She returned to Nigeria once or twice a year with suitcases that smelled cool and foreign. » Fin de la citation. Tout d'abord, le verbe « to smell » fait référence à la perception de la petite fille. C'est bien ce qu'elle, elle, celle qui perçoit l'odeur des balises, mais afin de mieux marquer la déchirure familiale, le verbe « to smell » est attribué à des objets. La mère n'a plus rien à voir avec l'histoire de sa fille, et les adverbes « cool » et « foreign » auraient très bien pu être attribués à la présence maternelle, réifiée désormais, caractérisée par la froideur et par l'éloignement. Dans la continuité de la rupture familiale douloureuse, l'hypallage illustre d'autres événements traumatiques. Un épisode significatif de l'enfance d'Ada est celui où sa sœur se fait renverser par une voiture. Je cite, « The Ada screamed as a new leaf fell onto the tar darkness. » Fin de la citation. L'adjectif « dark » se réfère bien entendu à la route, mais le déplacement qui s'opère vers le nom darkness représente ce que Françoise Dupeyron Lafay appelle en tant qu'effet de l'hypallage, je cite, une défamiliarisation du familier, fin de la citation. L'obscurité symbolique dans laquelle Ada se retrouve plongée lors de l'accident se désigne à travers cet adjectif aux valences viatiques dont la chromatique préfigure l'errance de la protagoniste, son aveuglement par rapport au monde invisible et complexe qui l'habite. Un autre incident important est également marqué par l'hypallage. Après le viol qu'Ada subit de la part de son petit ami de l'époque, les jeunes sont représentés dans la scène suivante. « They sat together in shambled sheets as he shouted blank words at her. » Fin de la citation. La littération en « shoot » préfigure la naissance d'Ashugara, tandis que l'adjectif « blank » attribué à « words » reflète non pas la portée des propos que l'on imagine violents, mais l'état de choc de la protagoniste qui les entend sans les comprendre, son enfermement, qui n'est qu'une forme de protection. Ces exemples d'hypallage du texte montrent que la qualification adjectivale ne joue plus son rôle habituel. Elle désigne d'abord le trauma et annonce la suite de l'histoire. L'abandon de l'enfant Ada, sa solitude, le côté obscur qu'elle développe, son enfermement par rapport au monde extérieur. L'hypallage est rupture qui dit la rupture. Sa définition se confond avec la double mission qu'Emésie lui confie, celle de représenter une existence définitivement brisée par la violence, à côté de celle de questionner la cohérence de notre monde habituel. L'hypallage, donc, trouble l'ordre du monde, comme dit François Rastier dans une étude sur l'hypallage même.
où la métaphore transfigure l'épalage des figures. Mais offre également des associations inattendues à travers l'ambiguïté entretenue. Il s'agit de, nous dit toujours François Rastier, je cite, « juxtaposer à l'ordre du cliché la révélation d'un autre ordre du monde ». Fin de la citation. C'est ce que Michel de Guy nomme en parlant de la poésie de Rimbaud, je cite, « une sorte d'épalage généralisé qui tient à l'ambulation ». Fin de la citation. Michel de Guy donne des exemples de verbes de mouvement qui animent l'espace entier dans le texte du poète. Dans Freshwater, la marche symbolique d'Ada vers l'âge adulte correspond au va-et-vient de l'intérieur vers l'extérieur, ou inversement, et s'accompagne d'un mouvement universel de personnes, people flowed in and out, d'objets inanimés bougés dans l'espace onirique. In the dream, the Ada imagined a spoon, just a simple tablespoon floating vertically, ou bien de sentiments, cold dripping fear, dont l'ampleur est suggérée toujours par des verbes de mouvement. Dans cet univers fluide, la protagoniste est identifiée par la périphrase « a flash-ridden cage », « a flash-ridden cage », un oxymore désignant la fixité, la cage et le mouvement à travers le verbe « to write », la soumission au biologique « flash », mais aussi l'espace du divin « cage » pour les cages, pour les esprits que le corps d'Ada abrite. Pour conclure, tout comme la nomination, la rupture familiale, identitaire, culturelle ou linguistique, on parle moins de rupture géographique dans le texte, on donne des points de repère géographiques, mais l'autrice, la voix ou les voix narratrices se penchent surtout sur la vie intérieure d'Ada. Donc, cette rupture se transforme en cohésion à travers la lecture du monde que fait la protagoniste qui arrive à la conclusion suivante après avoir dépassé des crises existentielles successives. Je cite, « Why should I be afraid? I am the source of the spring. » Fin de la citation. Le double sens du vocable « spring, source, printemps » renvoie à l'idée de renouveau. Ces phrases peuvent également être lues comme une déclaration de prise de pouvoir sur le monde à travers l'annihilation de ces oppositions destructrices. Une décolonisation par l'écriture. Je cite « All fresh water comes out of my mouth ». Cette dernière phrase du récit se réfère au pouvoir thérapeutique des mots, avec un clin d'œil à l'oralité. Dans fresh water, la nomination et l'épalage deviennent des moyens de conciliation et de reconstruction d'un espace de solidarité où, je cite, « the whole is greater than the individual », fin de la citation, dans un élan de réarticulation du monde. Merci. Merci. Je vous propose qu'on enchaîne sans attendre, du coup, si on veut garder un petit peu de temps. C'est aussi avec grand plaisir que je retrouve Jeanne Hunoff et toutes ces années. Et du coup, je suis ravie de la représenter, enfin de la présenter à nouveau, exactement. Maintenant qu'elle est doctorante en littérature contemporaine anglophone à l'École normale supérieure de Lyon. Donc, ses recherches sont dirigées par Vanessa Guignery, elle aussi, et portent sur les formes et modalités de la transmission dans les romans d'Amitav Ghosh, Yazi. Namwali Serpel, Camilla Shamsi et Carol Phillips. Et donc, elle sera à TER, c'est ça, si j'ai bien suivi, à l'Université de Bourgogne, à la rentrée. Et aujourd'hui, du coup, elle va nous parler par « Oh, racism is », déplacement du texte pour une reconfiguration des savoirs. Et je te laisse la parole. Merci, Pauline. Merci à Gaël et Madeline pour l'organisation de cette journée d'études. C'est vraiment super intéressant de pouvoir échanger comme ça autour de ce sujet. Et donc, pour commencer, dans son analyse condensée du terme « exploration », Stuart A. Weaver rappelle la définition du terme en anglais. Donc, je vais citer beaucoup en anglais. Excusez ce matin d'utiliser l'anglais, je vais beaucoup l'utiliser en anglais. Et donc, cette citation, c'est « active engagement with the unknown or unfamiliar » pour définir l'exploration. Cette confrontation à ce qui n'est pas familier répond selon Christiane de Mélin-Bruyère,
a un objectif savant. Elle s'intéresse, elle en particulier, à l'exploration comme déplacement spatial, mais à une période où l'âge de l'exploration géographique atteint elle-même ses limites, ce terme semble s'appliquer également aux pratiques textuelles observées dans de nombreux romans postcoloniaux, tels que Faux de G.M. Coetzee ou White Sagacity de Jean Lewis. Par l'intertextualité qu'elles introduisent, ces œuvres participent d'une tendance dans la littérature postcoloniale qui a été qualifiée de « réponse » par Bill Ashcroft-Griffiths et Ellen Tiffin dans The Empire Writes Back, mais dont l'évidence est remise en question. Je cite « The ambiguous relationship between the postcolonial periphery and the metropolitan center to which the formerly colonized were supposedly writing back became the subject of legitimate debate. » Qu'elle soit réponse, appropriation ou incorporation, la relation intertextuelle établie par ces œuvres engendre un déplacement du texte original dans un contexte de lecture radicalement différent. Et donc, que ce soit une appropriation ou une incorporation, la relation est intertextuelle, engendre un déplacement donc, du texte original dans un contexte de lecture qui est radicalement différent et cela permet une nouvelle exploration de ces documents d'archives. Un tel déplacement est produit lorsque, dans le paratexte de son premier roman, l'autrice d'origine zambienne Lamoine Sopel singularise un ouvrage de référence qui a inspiré toute une section de son récit. Je cite « The Old Drift includes many fictions and quite a few facts. The fourth chapter borrows heavily from Percy M. Clark, The Autobiography of an Old Drifter, All Racism Is. » Ce type de singularisation est également effectué dans les remerciements ou acknowledgements du Britannique Carol Phillips pour son roman Crossing the River. I have employed many sources in the preparation of this novel, but would like to express my particular obligation to John Newton's 18th century Journal of a Slave Trader, which furnished me with invaluable research material for part three. Non, je pense que c'est un peu. Deux écrans. Voilà. Mais comment? Et donc, ils citent tous les deux un ouvrage de référence qui a inspiré une grande partie de leur roman. Et donc, ils opèrent de cette manière le déplacement d'un texte original, respectivement l'autobiographie d'un pionnier et colon, et le journal de bord d'un capitaine de navire négrier. L'hypertextualité dans ces deux romans rappelle ce que Stuart Weaver appelle les convergences culturelles qui résulteraient de l'exploration. The general point is that exploration in the fullest sense leads to cultural convergence. It is a critical part, the catalytic part, of that long-term historical process by which cultural isolation has broken down and the world becomes essentially one. Le résultat de l'exploration présentée par Weaver, The World Becomes Essentially One, souligne le danger d'homogénéisation culturelle par l'imposition du regard de l'explorateur comme référent universel qui conditionne la connaissance des espaces explorés. À l'inverse, dans Crossing the River et The Old Drift, le déplacement du texte se fait déplacement du regard
et il s'agira donc de lire l'exploration littéraire conduite par Sofen et Félix comme une recontextualisation du regard par le déplacement textuel, ceci à la faveur d'une convergence et non d'une union des cultures. Si on revient donc dans un premier temps aux commentaires de Namoni Sofen et Carol Félix, on peut noter l'expression d'un rapport différent au texte original. Là où Carol Félix adopte un ton relativement respectueux, « I would like to express my particular obligation to John Newton's 18th century Journal of a Slave Trader », la position du « All racism his » par Namoni Sofen est teintée d'un humour grinçant qui explicite l'ironie de son propos. L'emprunt au journal de bord de John Newton dans « Crossing the River » a notamment été analysé par Vanessa Guignori, qui commente leur similitude à la fois de syntaxe, de forme et de fond. James Hamilton est l'incarnation fictive du capitaine de navire négrier. John Newton dans le roman de Carol Phillips. Et Vanessa Guignori a effectué une comparaison des deux entrées de journaux de bord, dont je vous mets ici un exemple, et je voudrais juste citer son commentaire. In both journals, for instance, the boatswain behaves badly and is clapped in irons, a punishment that anticipates what would happen to the slaves. Despite the use of the same vocabulary, Philip's version is much terser and denser. The information that the boatswain has been put in chains may come as a shock for the reader after receiving the vague information that he had used the ship's company ill, whereas Newton proposes four consecutive reasons for putting the boatswain in irons, thus making sure his ship-owning readers would approve of his decision. The fictional captain, therefore, appears more implacable in his decision, which constitutes a slight deviation from the original. Selon Vanessa Guignori, les légers changements de date, de nom ou de statut introduits dans la version de Carol Phillips sont précisément ceux qui signalent le passage de l'historique au fictionnel. Elle identifie plusieurs types d'emprunt. Le pastiche, avec la reprise mot pour mot de certaines entrées du journal de Newton. Le collage, avec le réagencement de différentes entrées du journal de Newton en une seule entrée du journal de Hamilton. Et enfin, le bricolage, avec la recomposition et la transformation des lettres de Newton à sa femme, qui deviennent des reprises créatives dans la version fictive et donnent une teneur parodique au pastiche. Le pastiche a également été évoqué pour qualifier la reprise par Namoni Sofen de l'autobiographie de Percy M. Clarke. Cédric Courtois souligne la relation hypertextuelle qui existe entre les deux textes et remarque que si certains passages de Autobiography of an Old Drifter sont repris à l'identique dans The Old Drift, d'autres, comme celui qu'il a choisi d'analyser, ont été modifiés. Je cite, « While the rest of the paragraph and some other passages in the whole chapter are faithfully reproduced, there is a clear poetic and political transformation, parody, and imitation, pastiche, on the part of the narrative voice. » Je souhaite présenter quelques-unes de ces reprises et transformations pour montrer que, comme dans Crossing the River, Namoni Sofen procède à des pastiches, collages et bricolages. Le premier exemple sur lequel je voudrais me pencher est celui-ci et reprend presque mot pour mot le texte de Percy M. Clarke. Donc ici, et j'ai besoin de vous donner deux producteurs juste pour mon deux exemples. Et, allez, tout seul sur moi là, je ne peux pas. Donc vous avez aperçu vite fait les couleurs. En fait, c'est une équivalence à chaque fois, la correspondance entre les deux textes. S'il apparaît de temps en temps, vous pouvez regarder rapidement, sinon vous allez devoir me croire sur parole. Donc les premières impressions des chutes victoriennes de Percy M. Clarke sont retranscrites fidèlement. Certaines propositions, comme par exemple « The lunar rainbow, pale and shimmering, gave the whole scene a touch of fairy », sont identiques au texte original, tandis que d'autres contiennent des ajouts ou suppressions, que ce soit d'adjectifs, d'adverbes ou de pronoms. Donc, par exemple, « The magnificent bluff » devient « the bluff »,« beyond » se voit apposer le pronom « it » et la modalisation « could be glimpsed as it let » est complètement supprimée. Ce pair procède également à quelques transformations. « The shadowy black forest » au lieu de « the rain forest shadowy and ghostly » par exemple. Et on constate surtout l'ajout d'une phrase, que vous ne pouvez pas voir du coup, qui est « The spray was so powerful, it was hard to say whether the falls flowed up or down. » Et cette dernière ajoute un ton comique à la scène, de ne pas savoir si les chutes tombent ou remontent, qui contraste avec la poésie du moment décrit et des formulations choisies par l'explorateur pour décrire son ressenti. Le deuxième exemple correspond à un ajout en ouverture du chapitre d'un paragraphe qui ne se retrouve aucune dans l'original. Je cite, mais je vous laisse celui-là au tableau pour que vous puissiez voir
It sounds like a sentence. Victoria Falls, a prophecy. At any rate, that's a joke I used to make until Her Royal Majesty Queen Victoria actually died in 1901, just before I landed on the continent. 2 years later, I set my eyes on the African wonder named for an English queen and became as beguiled as the next man. I came for the falls and I stayed for them too. Ce paragraphe installe dès le départ un doute quant à l'identité du narrateur ou à la fidélité du roman vis-à-vis du texte d'origine du fait du ton ironique qu'il déploie. De même que pour les lettres de Hamilton dans Crossing the River, le rythme, la syntaxe et la teneur du propos apparaissent vraisemblables parce que similaires aux écrits de Percy M. Clarke, et pourtant aucune mention n'est faite dans son ouvrage de la mort de la reine Victoria. Et ce passage est donc le résultat d'une invention créative, d'un bricolage de la part de Sertel. L'élément de doute est également présent dans un autre passage de ce chapitre que je souhaiterais commenter. S'il apparaît, vous pourrez voir, j'ai encore quelques petites correspondances de couleurs. Et je vais vous lire juste un passage qui est le plus important pour ma démonstration. In 1907, a shooting club was formed at Victoria Falls Town. Government issued us rifles and ammunition at a correct rate, and the prize was a silver cup for the best score over 6 months. Some of the shooters got wanderlust. Others gave up or left. At the end of 6 months, I was the only one competing. I beat the top score in a rather amusing fashion. One afternoon, I was out hunting pheasants, and I spotted a pig moving through the bush. Up went my barrel, and I let him have it. There was a yell, and it, N-word, jumped up in the air and disappeared. Here was my pig. I saw at once what was what. The boy had been sent to cut grass, but he had been loitering in a donga or ditch. Fearing I'd report him, he had cut for it, stooping low to escape notice, but not quite low enough, just about as low as the back of a young pig. Nous avons ici la reprise relativement fidèle d'un événement particulièrement choquant. Il a tiré sur une personne noire en pensant que c'était un cochon. Et ce choc est accentué par le ton sur lequel il est narré dans le texte original, ton qui est complètement inadapté pour un lectorat contemporain, voir par exemple la phrase en vert, et qui est accentué par les modifications, réagencements, omissions, ajouts apportés par Sertel dans la version qu'elle inclut à The Object. On peut noter l'ajout de Amusing Fashion, qui remplace la victoire par défaut dans l'original, donc ça c'est en bleu foncé. L'ajout de l'exclamation pour Here was my pig, au lieu de This was my pig, en bleu ciel. Et les transformations de This fellow et a native en The boy et a native boy, qui donnent un ton condescendant au narrateur, ou plutôt l'accentue dans la version fictive. Mais le passage dont sont extraits ces deux paragraphes voit également l'irruption du récit fictionnel avec la référence à Lina et le commentaire conclusif qui sont en jaune ici. Cette irruption conduit le lecteur ou la lectrice du roman de Sertel à s'interroger à nouveau sur l'authenticité de cette anecdote. L'invention créative dépasse ici le cadre du bricolage, l'imaginaire envahissant l'archive pour servir la cohésion narrative du roman dans son ensemble. En effet, Lina et Gabuzzi, qui sont mentionnés dans le passage, sont des personnages purement fictifs et les ancêtres de l'une des protagonistes que l'on retrouve dans la section suivante. Donc, vous avez l'arbre familial ici. De ce fait, la lecture de ce passage par une lectrice ou un lecteur non informé peut le ou la conduire à considérer ces événements comme purement fictifs. Et seule la lecture de Autobiography of an Old Drifter révèle qu'une partie la plus violente a effectivement eu lieu. Le texte de Percy M. Clarke, de même que celui de Newton Hamilton, est déplacé dans un univers fictif, ce qui permet une nouvelle exploration des teneurs racistes, colonialistes et impérialistes des originaux. Dans le roman de Carol Phillips, Crossing the River, le journal de bord de James Hamilton correspond à la troisième section de l'œuvre et fait suite au récit de deux personnages esclavisés. Vous avez Nash, qui a été affranchi et qui est envoyé en mission civilisatrice par son ancien maître au Liberia, sur le continent africain, et Martha, qui a fui l'esclavage et rejoint un groupe de pionniers noirs en migration vers l'ouest des États-Unis. James Hamilton est également présenté dans le récit comme la personne à qui Nash et Martha, ainsi qu'un troisième enfant, Travis, qui correspond à la quatrième section, ont été vendus par leur père, et donc Hamilton est responsable de leur esclavisation. L'interruption provoquée par ce récit est donc tout particulièrement choquante à nouveau pour les lecteurs et les lectrices qui ont suivi le parcours éprouvant et funeste des deux personnages précédents. Certains et certaines critiques ont d'ailleurs reproché à Phillips à la fois son inclusion de ce récit et sa fidélité à l'original,
Et donc, ainsi, on a Kerry Jane Wallach qui a fait la remarque suivante. The third section does address the Middle Passage directly from the point of view of a slave trader. However, such apparently referential denunciation is undermined from the outset by the fact that the title of the section is also that of the whole novel, collapsing the white and the black voices, combining in human notebook and empathic novel. Sa critique porte en particulier sur le décalage entre le ton des différentes sections et sur la place accordée notamment par la reprise du titre au récit de Hamilton qui occupe déjà une position dominante. Là où la voix de Hamilton ou Newton se fait entendre par l'intermédiaire de son journal de bord, celle des enfants victimes de l'esclavage est toujours médiée dans le roman. Par contraste, le chapitre « The Falls » qui reprend l'autobiographie de Percy M. Clark dans « The Old Drift » intervient au début d'un roman qui entrecroise les voix de personnages britanniques, italiens, zambiens et indiens. L'approche afrocentrique du roman, qui se concentre sur la venue de migrants en Zambie et sur la constitution d'une nation à partir d'une multitude d'influences, qu'elles soient indigènes ou étrangères, atténue le poids accordé au récit de Clark. Les enjeux d'inclusion des archives ne se regroupent donc pas entièrement dans les deux romans, mais ils mobilisent tout de même le récit d'explorateur dont les propos racistes et impérialistes contrastent avec le reste de la diégèse. L'analyse de Crossing the River par Martha Fatsack souligne la dimension performative du déplacement du récit qui permet de ne pas donner seulement une visibilité au point de vue de Hamilton, mais aussi à ses contradictions. Je cite, « By inviting us to recognize these conventions and by exposing inconsistencies in Hamilton's tone, Phillips encourages us to notice the stories of the slaves buried under the layers of discourse. » Par le déplacement du texte original dans un contexte fictionnel, ce sont les voix de celles et ceux qui ont été invisibilisés par l'histoire que Phillips convoque, sans prétendre y donner accès, mais pour rappeler qu'elles ont existé. Cédric Courtois évoque un argument similaire dans sa lecture de The Old Drift. In this chapter as a whole, Circle dismantled this text little by little so as to give more visibility to the locals, some of whom appear in the photographs included in Clark's autobiography. By transforming this text through a decentering of its Anglophone orientation, Serpell deconstructs the set of values underlying the writing of the European autobiography. Par la relation intertextuelle au roman Heart of Darkness de Joseph Conrad et le déplacement du texte de Clark, Serpell décrédibilise les voix hégémoniques européennes et participe de la mise en valeur des histoires de celles et ceux qui ont été marginalisés dans les récits occidentaux. Le raisonnement de Vanessa Guignori sur la valeur contemporaine du déplacement du texte dans Crossing the River trouve donc un écho dans The Old Drift. Je cite. The contemporary value of the text therefore rests in its preservation and transmission of traces of the past inserted within a fictional framework that targets readers other than historians or people used to reading historical documents on slavery. Sans connaître le texte original, la lectrice ou le lecteur peut être grandement perturbé par la présence de textes racistes et colonialistes dans des romans qui dénoncent l'impact durable de l'esclavage et de l'impérialisme, d'autant plus que les connaissances acquises à partir de ces récits d'exploration adoptent une portée scientifique et universaliste. Pourtant, le déplacement de sources archivistiques par leur transformation et leur appropriation dans un texte de fiction permet d'ouvrir une réflexion sur les sources de la connaissance, comme le défend Vanessa Guignol. Je vais passer cette citation pour aller un peu plus vite. Là où le texte de Phillips nécessite un lecteur ou une lectrice informée, capable de reconnaître les transformations du récit de Newton dans le journal de bord de Hamilton, celui de Serpell rend ce questionnement sur les sources bien plus accessible. Apposé au journal fictif de Clark se trouve une section en italique narrée par un cœur qui dénonce les actions du pionnier. Et donc je cite, « You have now heard the note of one Percy M. Clark, a wanderer, a brute, a cad, the forefather who started it all. He called himself an old drifter, but he didn't learn our lesson. His hand grasped a tattoo tight, a slip and a clutch, a cry and a fall, and one child strikes another. » Ce commentaire d'un narrateur qui vient déstabiliser un récit dont le caractère fictionnel était déjà relativement explicite. Contrairement à Crossing the River, The Old Drift ne demande pas une connaissance poussée, l'artificialité du récit de Clark étant directement soulignée par le cœur. Par exemple, il pose ça. Contrairement aux mémoires de Percy M. Clark qui a pu les figer et les rendre accessibles à travers les générations par l'écrit, la mémoire de la diaspora esclavisée n'est accessible qu'indirectement dans les traces et le silence des archives.
Le déplacement de sources archivistiques permet donc d'interroger l'universalité et le caractère inébranlable des savoirs produits par des sources telles que le journal de bord de Newton ou l'autobiographie de Percy M. Clark, et de mettre en lumière les pans oubliés de l'histoire des explorations. Dans la continuité du Writing Back de Ashcroft, Griffiths et Tiffin, Serpell et Phillips réagissent et répondent aux perceptions et aux connaissances hégémoniques résultant des explorations du continent africain. Ainsi, Catherine de la Salle-Nancy voit une forme de dialogue implicite entre le roman de Félix et celui de Conrad, qu'elle qualifie de « call and response ». L'intersexualité est lue comme un outil de dialogue avec le passé et avec l'autre. Mais là où les voix sont restreintes dans le roman de Conrad, on entend celle de Marlowe et de Kurtz, elles se multiplient dans celui de Félix. De même, Angelo Monaco évoque le dialogue pour expliquer comment Serpell se confronte aux spécificités de l'expérience de la diaspora. Je cite. The Aldrich resorts to the discursive construction of the palimpsest as a way to address the distinct nature of diasporic memory. Les expressions mobilisées, call and response, discursive construction et même writing back, supposent une interaction, un dialogue entre les œuvres. Or, ce que suggère le déplacement des textes dans The Aldrich et Crossing the River, c'est l'interaction et peut-être même l'interconnexion des peuples. De ce fait, plutôt que de se focaliser sur une réponse au discours hégémonique, je suggère, avec François-Xavier Fauvel et Anne Masson, de voir dans la conversation un rapport plus constructif pour mettre en valeur l'ensemble des discours. Et donc, je les cite. Contre le solipsisme historique qui nous fait malgré nous aborder le passé en société isolée et homogène, sinon en civilisation, en bloc continental, en race, osons la métaphore de la conversation comme principe d'interaction dans l'histoire. Les sociétés sont des interlocutrices, en présence les unes des autres, les faits culturels, des propositions, les cultures des états instables en attente d'inflexion et de réflexion. Quand ce qui se passe dans des durées et des géographies écartelées, quand les voix elles-mêmes s'interpellent depuis plusieurs bords, alors le récit qu'est l'histoire ne peut être que la tentative d'organiser la conversation des participants. Cette conversation reste forcément limitée par l'impossibilité pour Clark et Newton de répondre, mais cela n'enlève pas la pertinence de l'échange étant donné le rapport de pouvoir initial entre les différentes personnes impliquées dans ces conversations. Comme le montre Bénédicte Ledan, l'idée d'une conversation entre différentes époques et différents espaces est perceptible dans les archives du texte de Carol Phelps. Elle compare notamment son roman à une pièce radiophonique intitulée également « Crossing the River » et diffusée en 1985, et elle fait le constat suivant. In the radio play, unlike the novel, the voice of the father is not heard at all. However, the three children are made to dialogize about what happened to them in the past and their alternating responses to their father's action fit their respective personalities. La conversation était explicite dans la pièce radiophonique alors qu'elle est quasiment effacée dans le roman, remplacée par le chœur, ou chorus of archival memory, selon l'expression de Ledan. Un orateur ouvre et clôture le roman, le père originel, qui explique avoir vendu ses enfants, comme je l'ai mentionné précédemment, à un esclavagiste, et ce père originel adopte une posture d'écoute. « A long way from home, for 250 years, I have listened to my Nash, my Martha, my Travis, Joyce. » Inversement, dans The Old Drift, un cœur qui est à la fois, il est un peu étrange, c'est à la fois une mémoire nationale, des moustiques et une nuée de drones, leur identité est très floue. Et ce cœur intervient en ouverture et en clôture du roman, mais aussi à la fin de chaque chapitre. Il commente les actions des protagonistes, s'adonne à des réflexions philosophiques et rappelle le contexte historique de certains passages. Et il se présente de la manière suivante. Altogether at once is how a swarm sees, but you humans, the beginning to end. And so we recount each act in its turn, pace by pace, cause and effect, each and every flutter and tumble. Be patient and listen. No hurries, no worries. Point by point, we outline the doctrine. To err is human, and that is your human delight. On retrouve dans leur intervention l'idée de l'artificialité des discours. But we humans go from beginning to end. Mais le récit est ici contrôlé par le cœur, comme le souligne l'injonction Be patient and listen. Les cœurs dans Crossing the River et The Old Drift servent de guide à la conversation. Qu'ils soient dans une posture d'écoute ou de déclamation, ils contrôlent une conversation qui inclut des voix multiples et diverses et donne une place à chacune d'entre elles pour exprimer sa propre expérience et sa propre perception du monde. Et donc la convergence culturelle est une conséquence indéniable de l'exploration. Cependant, les romans de Serpell et Phillips témoignent de la possibilité de ne pas les réduire à une forme d'homogénéisation.
par le déplacement des textes qui sont sortis de leur contexte original et réappropriés par Philippe Sesopel, les œuvres littéraires contemporaines s'insèrent dans une conversation qui rejette l'autorité unique des sources archivistiques et donne une place à l'invention créative comme outil de connaissance. Et désolée, enfin, j'espère que ça n'a pas trop rangé. Quand, a priori, on a pu tout voir toutes les slides. Et merci à toutes les profs, parce que je trouvais que là encore, c'était des trois communications qui fonctionnaient extrêmement bien ensemble. Donc, c'est parfait, je pense qu'il y a, j'espère que tu as des questions. Bon, j'en ai, mais je préfère vous laisser la parole d'abord pour lancer le débat. Bon, alors j'ai une question en fait plutôt pour Marine et Géane finalement sur la question de l'intersexualité et l'hypertextualité. Enfin, je trouvais que vous utilisez parce que c'est au cœur de ton travail, mais du coup Marine, est-ce que c'est quelque chose que toi tu as étudié la question de l'intersexualité, le rapport justement à Golden Swivels, Famous Progress, etc., qui sont des œuvres canoniques et comment est-ce que ça rentre dans cette histoire de conversation dont parle Géane? Oui, alors... Est-ce que tu vois comme ça ou est-ce que en fait dans le temps c'est quelque chose d'autre? Oui. Non, alors je ne l'ai pas étudié très en profondeur, mais par contre ça a été beaucoup fait par d'autres chercheurs et des critiques, etc. Et alors je pense que pour lui, oui, ça rentre dans ce type de dialogue. En fait, c'était des questions, j'ai l'impression. Que Question de Whitehead ne se posait pas forcément beaucoup auparavant parce qu'il vient d'un milieu plutôt privilégié. Bon, il a fait des études de lettres dans lesquelles il a pu se rendre compte de ce sujet-là, mais je pense que c'est quelque chose qu'il n'avait pas forcément intellectualisé. Et donc, il s'intéressait au départ plutôt à la littérature de genre. Et j'ai l'impression qu'il y a justement un shift qui s'est produit, notamment à partir de The Underground Railroad, où il se préoccupe davantage des questions, disons plus frontalement des questions raciales qui étaient déjà présentes dans ses œuvres auparavant, mais qui sont peut-être sur le devant de la scène davantage. Et là, il puise à la fois dans ce qu'il a pu étudier, lui, dans ses études de lettres, et donc en général les canons occidentaux, blanc, voilà. Et donc, qui l'emploie en montrant, notamment par le biais du personnage de Caesar, ici, que c'est quelque chose qui est imposé vraiment comme, disons, la norme et ce qui doit être connu, ce qui doit être lu, ce qui doit être étudié. Et lui, je pense qu'il essaie de le faire dialoguer en montrant comment il peut proposer une version alternative à ce récit-là. Donc, je pense que ça rejoignait vraiment... Alors, je pense que c'est moins poussé que ce que peut faire Carol Phillips et Serpel, mais je pense que la question est posée également... Est-ce qu'il y a quelque chose un peu comme Carol Phillips, est-ce qu'il y a d'autres réflexions, c'est des réécritures d'un texte, à chaque fois d'un texte précis, est-ce qu'il y a d'autres réflexions, l'allusion intertextuelle, moi je ne sais pas les textes que je connais, enfin Carol Phillips, c'est un petit peu, ça peut être. Il y en a, la majeure, c'est Joseph Conrad Howard Dapes, qui est là, pour le coup, vraiment seulement une référence intertextuelle, il n'y a pas de mention directe, il n'est pas incorporé directement, presque mot pour mot, dans le texte. Mais c'est vrai que les deux textes qui sont les plus frappants, c'est ceux qui sont justement très présents. Mais il y a quand même cette idée qu'ils ont conscience de ne pas écrire dans un vide et que de juste ignorer ces textes canoniques, ce n'est pas la solution pour eux. Il y a la nécessité d'entrer en conversation sans pour autant leur donner une autorité avec cette idée de réponse, parce que réponse, c'est comme si on était un peu obligé de réagir. Là, c'est eux qui choisissent. Voilà, c'est ça. D'entrer en conversation, c'est pour ça que j'aime bien ce terme, parce que c'est l'idée que c'est eux qui aussi participent en tant qu'égal. C'est Ali Ben Maclouf qui parle de la conversation comme entre deux égaux, qu'il n'y a pas de supérieur et d'inférieur. Alors, ça dépend des conversations, évidemment, mais dans l'idée même du concept de conversation, normalement, le principe, c'est que les deux personnes qui conversent sont à égalité. Et donc là, l'idée, c'est justement d'enlever ce pouvoir canonique et de dire, nous aussi, on peut... entrer dans cette conversation. Parce que Rights and Back, pour le coup, c'est vraiment reconnaître le côté canonique et de réponse dans un second temps. Oui, et l'idée qu'on vient après, nécessairement après. Non, ça va faire, je trouve que ça n'est pas pardon, mais je vais arrêter de me voilà, je parle. Moi, j'avais peut-être une question pour Roxane, mais qui prolonge un tout petit peu cette question, mais pour revenir sur quelque chose que tu as dit dans l'introduction, donc le fait que le roman a été écrit dans le cadre d'un atelier d'écriture avec Chimamanda Ngozi Adichie, et je me demandais si
finalement, il y avait des points de comparaison entre le travail de Adichie et le travail de Élisée dont tu nous as parlé. Si le fait d'avoir élaboré ce roman dans le cadre d'un atelier d'écriture sous la houlette, animé par une autrice comme Adichie, trouve à s'incarner d'une certaine façon dans le texte dans Fresh Water. Et peut-être nous redire aussi un tout petit peu pourquoi il y a eu une... La friction, ça vous intéresse du genre, absolument. Enfin, en fait, ma question, c'est aussi comment c'est le texte dont tu nous as parlé et puis l'œuvre de cette autrice est reçue même à l'international. Est-ce qu'il y a une réception internationale? Alors, oui. Déjà, le fait qu'on a, assez vite traduit. Le livre en français montre que c'est un livre qui commence à avoir des échos. Et de plus, je pense que stratégiquement parlant, d'une certaine manière, Emezi suit un peu la trace d'Adichie dans tout ce qui est paralittérature et posturalité de l'auteur, même si elle est tout à fait originale, hein, il n'y a pas vraiment de comparaison. Mais tout comme Adichie, elle s'intéresse à la mode, elle apparaît sur la couverture de Vogue, elle en est très très contente, elle en est ravie, elle se déclare non-binaire et elle explique effectivement ce que cela signifie. À la fin de Freshwater, de la première édition de Freshwater, elle remercie Adichie pour son atelier d'écriture et écrit qu'à un moment donné, pendant une conversation, Adichie lui a dit « Alors, tu es une Obange. » Bon, entre-temps, il y a un conflit qui est apparu entre les deux. Pourquoi? Parce que Adichie a affirmé à un moment donné qu'il y a quand même un genre biologique. Cela a suscité de très vives réactions dans la communauté LGBTQ+, et la première à prendre la parole contre Adichie a été, même si Adichie n'a pas dit, Adichie c'est quelqu'un d'extrêmement de plus couvert comme personne, mais bon, celle qui a pris tout de suite la parole et la pierre, j'ai envie de dire aussi, c'était Emezi qui a dit en substance, c'est inadmissible, tout ça. Et à ce moment-là, Adichie a réagi et elle a fait savoir qu'elle ne souhaitait plus être citée par Emezi. Elle a très finement dit que, bon, il y avait parfois des gens qui se créaient un nom en grimpant un peu sur le sien. Donc ça, c'est le côté friction, alors qu'en ce qui concerne la littérature nigériane, il y a quand même un élan de solidarité diasporique et que ce qui me fascine chez ces écrivains, parce que je connais très bien les francophones également, c'est qu'ils se soutiennent entre eux, ils se citent très souvent. Et même Emezi, elle cite dans son dernier roman, qui est un roman romance d'ailleurs, qui a été écrit pour la télévision, pour qu'il soit mis à l'écran, pour qu'il devienne un film, et elle cite Helen Oyeyemi, qui est une autrice absolument fabuleuse. Donc voilà. Par contre, en revenant à la première question, est-ce qu'il y a des similitudes entre la création de ce premier roman d'Emezi et l'écriture de Chimamanda? Oui, ce sont quand même deux romans de formation. Americana et Freshwater. Ce sont deux romans de formation, mais qui, à un moment donné, l'un reste très, très ancré dans, je fais référence à Chimamanda, dans la réalité sociale qui pose des problèmes de société très, très lourds, hein, alors qu'Emezi, elle se concentre effectivement sur la vie spirituelle comme si la géographie comptait beaucoup moins, en fait. Et je pense que c'est une tendance à prendre en compte, parce que la géographie compte tellement, en fait, dans le déplacement. Chez Emezi,
C'est vraiment ce déplacement intérieur qui compte et qu'elle met en avant. Et c'est tout son grand mérite. À part le fait que l'écriture d'Amézi, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais elle est très, très poétique. Elle écrit de façon très belle. Et effectivement, on peut passer son temps à chercher des figures de style tel l'hypalage, qui est quand même assez difficile à trouver dans d'autres types d'écriture. Je ne sais pas si j'ai répondu. Alors, pour le fait qu'il y ait des générations d'esclaves, etc., c'était aussi parce que c'était ce qu'il avait retrouvé dans les recherches. Et puis, il questionne de manière générale les racines, en fait, et le fait que généralement l'histoire familiale est effacée petit à petit. Je pense qu'il y avait une idée double ici. Il y avait l'idée déjà de faire un récit d'émancipation de l'histoire afro-américaine, et le fait qu'il y ait en plus une héroïne féminine permettait alors de rendre hommage et de faire référence à des récits d'esclaves, là aussi canoniques, comme Harriet Jacobs, par exemple, qui était aussi une esclave qui a réussi à partir. Et puis je pense que c'est également une manière de mettre en avant ce qui est encore plus effacé peut-être que l'histoire afro-américaine vue par les hommes, parce qu'il y a aussi cette dimension de genre qui, oui, a son importance à la fois dans les violences sexuelles, à la fois dans la place de l'héroïne dans la société, même au sein de la communauté des esclaves. Je ne sais pas si vous avez lu le roman ou pas, non. Si vous êtes dans une période de dépression saisonnière, c'est peut-être pas la peine, mais sinon vous verrez. Mais en tout cas, elle est elle-même rejetée au sein de la communauté, et elle retrouve un sens au sein d'une communauté de femmes qui sont toutes rejetées, qui sont marginalisées. Donc elle est à la marge dans la marge, en fait, elle est déjà à la marge en tant qu'esclave, elle est à la marge en tant que femme, et même au sein de cette communauté-là, elle est encore plus à la marge parce qu'elle est considérée comme folle, comme déviante. Et je pense que ça permettait de rajouter une dimension de réflexion sur les différents, enfin, intersectionnels, presque, en fait. J'avais peut-être une question pour Jeanne. C'est alors peut-être que tu en as un petit peu parlé à un moment, et je suis désolée si c'est le cas, mais est-ce que tu as aussi mené des comparaisons entre les deux textes cibles, le texte de Phyllis et le texte de Sarah Paul sur l'usage de ce texte source initial? Donc tu nous as présenté des tableaux entre finalement le texte source et ses citations. Et voilà, est-ce que tu as fait des comparaisons similaires entre les deux textes d'arrivée? Et est-ce que c'est une question très technique, en fait, finalement, mais est-ce que cette comparaison-là, pour toi, pourrait éventuellement faire émerger des lectures différentes ou des usages différents du texte source? Donc, une comparaison entre Sapper et Phillips, leur passage. J'ai pas fait ces comparaisons-là, mais c'est intéressant, c'est une raison que. Je me demandais du coup en voyant tout à l'heure, en disant, mais finalement, est-ce que c'est les mêmes passages qui sont repris? Est-ce qu'il y a des convergences? Est-ce que. Alors, ils ne reprennent pas les mêmes textes. Ouais. Et il y en a un, c'est un journal de bord, ouais, qui est vraiment très spécifique, avec les entrées, c'est très visuel. Et l'autre, c'est une autobiographie. Donc, c'est vraiment le gars qui raconte sa vie, ouais, dans toute sa splendeur raciste. Ne lisez pas ça. De toute façon, il est très dur à trouver. Donc. Mais du coup, je ne sais pas comment ça pourrait... Après, communiquer. Je me dis même presque, mais bon, après ça me vient vraiment très loin, mais presque, je sais pas s'il y a des outils numériques qui existeraient pour, tu vois, faire des statistiques sur la quantité d'emprunt, la quantité de réécriture par rapport à l'emprunt. Alors ça, c'est quelque chose que j'envisage de faire. J'ai un super tableau de 25 pages qui reprend toutes les comparaisons entre Sopel et Clark, et ma directrice de thèse Vanessa Gnurid, j'ai cité un peu, a fait ce travail-là, elle, sur Newton et Hamilton. C'est très long, mais l'idée, c'est que derrière, mon but, c'est d'aller voir justement quel pourcentage, à quel point on retrouve, à quel point il y a des très légers changements, ou des changements plus significatifs.
La chose que j'ai déjà remarquée, c'est que Philips, il ajoute rien qui soit purement fictionnel. C'est que pris dans des passages, en tout cas pour ce qui est du journal de bord. Dans les lettres, il y a un tout petit peu d'invention, mais qui reste dans le contenu, si ce n'est dans les mots précis, des lettres originales. Alors que Supple, elle a des passages qui sont purement fictionnels. Il y a un passage dans un bar où il y a une dispute. Ça n'existe pas dans l'autobiographie de Percy Emprat. Donc, elle va plus loin en s'appropriant encore plus le texte. Et pour moi, là, il y a quelque chose de différent. Donc, ça, j'ai déjà entendu parler de ça. Mais c'est là que je vois une forme d'incorporation dans le sens où elle se l'approprie pleinement. Elle l'intègre comme si ça devenait son texte. Et ce faisant, elle l'intègre aussi à l'histoire littéraire zambienne parce que c'est un texte britannique d'origine, mais qui s'est installée en Zambie. Et donc, c'est comme si elle se l'appropriait encore plus que ce que fait Philips, où il y a une forme de respect de l'original, de « bon, je le prends, je le colle, mais c'est pas mien ». Je fais sentir qu'il y a deux voix. Exactement. Par rapport au reste du roman, où on sent plus sa voix, enfin, on entend plus la voix du narrateur. Donc, il y a déjà quelque chose de différent là-dedans. Après, effectivement, avec les outils numériques, ça serait peut-être possible. Ouais, je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire pendant ma thèse. Ouais, mais... C'est de la critique quantitative. Et d'autant que le résultat était déjà là en termes de ressenti. Mais c'est intéressant, je pense qu'on travaille à faire. Et juste, si je peux me permettre aussi, dans une des citations que tu as proposées, il y avait la notion d'empathic novel, il me semble. Et moi, tout ça, notamment aussi quand tu donnais les citations avec ça m'a interrogée sur la position dans laquelle ça place le lecteur, qui se retrouve confronté à des textes dont tu disais qu'en fait, le texte en soi, de départ, il ne faudrait pas aller le lire. Enfin, je veux dire, en tout cas, on ne va pas aller le lire par plaisir. Exactement. Ou alors, sinon, c'est une autre thème, peut-être. Et du coup, je me demandais, voilà, ce dispositif finalement, notamment parce qu'il y avait cette idée de l'empathic novel, voilà, comment toi tu le caractérisais sur ce qu'il fait ou ce qu'il cherche à faire au lecteur, et puis je me disais aussi, on a un petit peu parlé, mais je me disais aussi qu'est-ce que le lecteur comprend et est-ce qu'il n'y a pas des risques éventuellement même de contresens si le lecteur n'a pas conscience ou ne comprend pas que c'est un travail de reprise, de citation, de pastiche. Oui. Alors, c'est vrai que c'est risqué et ça a été très critiqué pour Claire Félix parce que, à moins d'avoir une connaissance très poussée des récits d'esclavagistes, j'imagine que vous ne lisez pas Newton pour le plaisir le soir avant de vous endormir, ou alors ça peut être très efficace pour s'endormir. Mais on n'a pas conscience de toutes ces petites modifications. À moins de faire le travail qu'a fait Vanessa Dumery, d'aller comparer chaque mot du texte pour voir ce qui a été déplacé, on n'a pas. Donc, en termes de réception, c'est choquant. Et en même temps, ça donne accès à ce type de texte à des gens qui ne vont pas aller les lire autrement. Donc, c'est quand même très intéressant comme démarche de ce point de vue-là, parce qu'on ne va pas aller lire Newton. Enfin, peut-être vous, c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais la majeure partie des gens qui vont lire le roman, de base, ne sont pas intéressés par la lecture de Newton. Et de même pour Clark, ce n'est pas quelque chose qu'on lit facilement. Mais Supple est plus explicite dans son emprunt. Parce que justement, quand on voit qu'il y a Lina Agavoudi et qu'il y a ce côté de la bataille qui ensuite a des conséquences derrière, on se dit « Oh, c'est bizarre quand même que ce soit là dans le récit, dans l'autobiographie. » Mais ce qui est très marquant, c'est que typiquement le passage où il tire sur la personne noire, moi je pensais que c'était un emprunt. Et en fait, non, j'ai été choquée de le voir dans l'autobiographie, mot pour mot, exactement la même scène. Donc il y a quand même cette ambiguïté. On ne sait pas ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas. Et en même temps, c'est pour déstabiliser l'autorité de cette voix. Et de dire, bah voilà, on ne sait pas en fait finalement ce qui est vrai, et c'est valable à la fois des récits de fiction, qui ne sont pas des sources historiques fiables parfaitement, mais les archives ne le sont pas non plus. Et donc l'idée, c'est de faire perdre toute autorité au texte, qui nous donne des informations, mais c'est jamais une information 100% sûre, et donc le savoir ne peut pas être absolu, ne peut pas être 100% sûr. Et c'est ça en fait, je pense, que permet cette démarche. À la fois de donner une forme d'accès à ce type de texte à des gens qui n'y auraient pas accès autrement, parce que c'est quand même beaucoup plus plaisant de lire le roman de Manuel Sapel, que je recommande très fortement, que de lire l'autobiographie de Percy Emprat. Je ne dis pas qu'il ne faut pas la lire, parce que je pense qu'il faut lire tous les types de textes, parce que c'est toujours utile, y compris de lire le point de vue des racistes et des impérialistes, mais ce n'est pas une lecture plaisante. Et donc, elle donne accès à ça, et en même temps, elle dit, mais voyez, même cette autobiographie, ce n'est pas le reflet de la vérité de ce temps-là.
Et je pense que c'est ça qui est intéressant. Et c'est en ce sens-là aussi que ça peut aller vers une... Enfin, je n'aime pas trop comment l'expression imperfect global security qui l'utilise, mais l'idée, c'est que ça donne une approche différente et que ça permet une réflexion sur ses propos et donc de déstabiliser aussi ses propos. Et donc, par la suite, on accède à des récits qui sont bien plus anti-racistes, anti-colonialistes, et donc qui nous emmènent plus dans l'empathie. D'avoir été autant choqué à ce moment-là permet d'être aussi, de se sentir bien plus dans l'empathie et bien plus dans la bienveillance par la suite, quand on lit des passages de personnes noires sans doute. J'espère que ça répond. Merci beaucoup. Je vais vous faire une question pour plus que je m'engage. Non ? Ouais. On va te remercier. Merci. 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 Est-ce que tu peux... Je vous remercie à toutes et à tous d'être venus, ouais, d'être restés. Et j'espère que ça vous a plu autant qu'à nous. Oui, pareil pour les personnes qui ont suivi éventuellement à distance. On va faire en sorte de publier ces deux journées d'études. Donc, c'est pas forcément pour tout de suite, mais quand ce sera publié, on vous en parlera et on essaiera de diffuser aussi autant que possible. Tout à fait. Voilà. Et pour les participants, on vous tient au courant, bien évidemment. Avant que ce soit publié. Avant que ce soit publié, l'évolution des choses. Qu'on aura besoin de vous. voilà. Merci, voilà. Merci beaucoup à toutes et à tous. Et j'arrête la diffusion. C'est bon.